Thank you.
C'est la merveilleuse Julia Fischer que vous venez d'entendre en direct sur France Musique depuis la basilique cathédrale de Saint-Denis dans ce concerto pour violon en mi mineur de Félix Mendelssohn avec l'orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Woon Chung. Julia Fischer, vous l'entendez, ovationnée par le public.
Allegro molto appassionato, puis le mouvement lent Andante, et puis ce final Allegretto non troppo, suivi de Allegro molto vivace. Voilà ce que Félix Mendelssohn a indiqué sur la partition de son concerto que Julia Fischer a interprété sur son Giovanni Battista Guadagnini, merveilleux instrument de 1742. Je vous rappelle qu'après ce concerto pour violon de Mendelssohn, l'Orchestre Philharmonique de Radio France jouera, toujours sous la direction de Myung-Moon Chung, la 4e symphonie de Johannes Brahms, symphonie opus 98, également en mi mineur, la tonalité de la soirée. Thank you.
En direct sur France Musique depuis la cathédrale basilique de Saint-Denis. En effet, Julia Fischer, comme elle l'a annoncé, jouait à l'instant cette sarabande de la deuxième partita de Jean-Sébastien Bach. Et je vous confie que je me suis fait un petit plaisir en apportant avec moi l'intégrale des sonates et partitas avec la photocopie du manuscrit de Jean-Sébastien Bach. Et plaisir doublé avec cette interprétation de Julia Fischer, qui a enregistré d'ailleurs en 2005 l'intégralité de ses sonates et partitas chez Pentatone. Merveilleuse interprétation de ses sonates et partitas, la bible des violonistes comme on dit. Il est 21h13, le public applaudit de nouveau, mais les applaudissements s'estompent, c'est donc l'heure...